Ce projet consiste à récupérer les effluents de la ville de Doha via trois lignes de canalisation pour les acheminer à 25 km du centre-ville dans une usine de traitement. Les eaux traitées sont ensuite redistribuées sur tout le territoire. Through a metal pipeline, from the berth to the ballast pit, a distance of more than 1 kilometer. Before each backflow, the water level was lowered in the ballast pit to prevent overflow and leakage of the mixture, made up of 90% water and very fine silty sediment, into the groundwater. The mixture then settled through gravity. A diffuser optimized its sedimentation. The excess water was pumped back to the Seine through another pipeline. To fill in the ballast pit, it took nearly 700,000. Répond parfaitement aux exigences techniques et environnementales des centrales hydroélectriques en zone montagneuse. Captée par une retenue d'eau située en amont, l'eau s'engouffre dans une conduite en fonte ductile. Le débit est régulé par un dispositif de vanne de sécurité. L'énergie gravitaire de l'eau ainsi canalisée est récupérée par une turbine implantée en aval, elle-même couplée à un générateur qui la transforme en énergie électrique. La canalisation est enterrée sur toute sa longueur et la petite taille des installations permet une véritable intégration de la centrale dans le paysage. De fluide, il nous faut de l'eau et de l'air.